Voilà l'équipe, je lance pour la vidéo. Donc je vais parler un peu des rumeurs qui tournent en ce moment concernant l'OM. Je vais vous parler de ça aujourd'hui. Donc première information, Wilfried Zaha, l'attaquant de Crystal Palace, serait intéressé par l'OM. Enfin, on aurait proposé à Longoria Wilfried Zaha, qui est en fin de contrat avec Crystal Palace. Donc moi je valide entièrement. Malgré qu'il a 30 ans, enfin, je valide quand même, car c'est un bon attaquant qui pourrait être utile en cas de départ d'Alexis Sanchez. Donc voilà, c'est pour ma information. Et malheureusement, deuxième information, Alexis Sanchez serait sur le départ pour rejoindre River Plate. Donc je sais, ce n'est que des rumeurs pour l'instant, mais je ne sais pas du tout si c'est vrai. Donc, affaire à suivre, bien évidemment. Et donc, voilà, comme je vous disais, en cas de départ de Sanchez, on aurait peut-être l'occasion de prendre Wilfried Zaha. Donc, voilà. Troisième information, Follarin Balogun, l'attaquant de Reims, serait intéressé par l'Olympique de Marseille et aimerait continuer sa carrière en France et aime le vélodrome. Donc, Follarin Balogun, l'attaquant anglais du stade de Reims, 29 ans. Moi, je prends parce qu'on a très bien vu quand on a joué contre Reims, il a marqué contre nous et même Balopi peut faire la différence. Donc, moi, pourquoi pas, franchement, si on peut prendre Zaha et Balogun, ce serait vraiment deux bonnes pioches pour ce mercato d'été. Donc bien sûr, c'est aussi une affaire à suivre. Donc voilà. Alors, il y a eu un rebondissement dans quelques affaires, notamment avec Evin Ndika et Uribe. Donc, ces deux joueurs, je pense pas qu'ils viendront à l'OM, car Longoria a précisé que ces deux salaires étaient trop chers pour le club. Donc, malheureusement, on n'aura pas Ndika, c'est dommage parce que c'est un bon défenseur. Mais on n'aura pas Uribe non plus. À moins d'un gros retournement de situation, ces deux joueurs ne signeront pas l'Olympique de Marseille cet été. Donc voilà, n'hésitez pas à dire vos avis dans les commentaires. Pour l'instant, ce sont que ces nouvelles-là que j'ai vues. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche, commenter, partager ce qu'on dit. Ciao et allez l'OM.